Eh bien, bonjour les amis. Un petit moment mécanique. Alors, si vous voulez, vous avez une brouette avec des pneus qui deviennent avec des chambres à air poreuses. Voilà, ici est déjà assez âgé et que vous voulez toujours l'utiliser. Eh bien, il y a un principe qui est pas mal. Soit vous, bien sûr, vous changez les chambres à air, soit quelque chose de radical, ben vous enlevez l'intérieur de la valve. Alors, il vous faut une petite pince comme ça pour l'intérieur de la valve. Vous enlevez le. Vous tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour enlever la petite valve de sécurité. Pour l'enlever, c'est simplement vissé. Donc, vous la retirez. Et ensuite, après. Vous prenez une bombe et vous essayez de trouver un système plastique, justement, qui s'incorpore là tout à fait dans la valve. Là, simplement, vous placez. Alors, moi, j'ai trouvé un petit adaptateur avec un bout de plastique commun. Et vous voyez, et vous remplissez de produits à l'intérieur. Regardez, ça vient, ça vient. Là, c'est la fin de la bombe, là, hein. Là, j'ai fait 4 roues comme ça. On va remplir la chambre à air de mousse. Alors, soit vous pouvez remplir le pneu, soit vous pouvez remplir votre chambre à air. Moi, je choisis plutôt de remplir la chambre à air, hein. Voilà, c'est bien, c'est kiff-kiff, c'est pareil. C'est kiff-kiff bourricot, hein. Donc, l'avantage de ce système, là, c'est que c'est moins sale que si vous faites avec une mousse expansive et puis vous retirez la valve. Moi, je préfère tout simplement plutôt faire ce système ici, hein. Bon, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, ça commence à monter en puissance. Voilà. Donc, on va arrêter pour celui-ci. Eh bien, ça va grossir. Et vous allez voir, hop, vous voyez la mousse qui sort. Donc, vous connaissez le principe. Voilà, hein. Donc c'est pas mal encore comme principe, hein. Voilà, remplir de mousse expansive là, des vieilles roues, hein, c'est toujours très très, ça peut être très très utile, hein, voilà. C'est un moyen comme un autre de se resservir de ces vieilles roues, surtout quand les pneus deviennent vraiment poreux, hein. Allez, à bientôt, hein.